presque 15h. Après manger, j'ai eu un coup de barre. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un peu dans le transat. On est pas mal dans le transat. Oh, il y a quelques moustiques, des bêtes d'orage, tout ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Puis d'un seul coup, je me dis, oh, tiens, il y a une branche au-dessus de la serre, là. Avec le vent, ça risque de percer. Bon, bah voilà. J'ai dû rester, quoi, 7 minutes dans le transat. Du coup, j'ai ressorti. Espèce de tronçonneuse électrique, là. Sur perche. Et bah, c'est pas mal. Hein. J'avais oublié. Donc, du coup, bah, j'ai dégagé le dessus de la petite serre. Et puis là. Parce que j'ai déjà débité, en fait. Ça va aller au-dessus des patates, parce que là j'avais pas assez de d'herbe fauchée et je ne veux pas utiliser le foin que je vais chercher chez les voisines pour ça. Hein, parce que bon, 2 km aller-retour en brouette. Bon, je pourrais prendre le C15 de la voisine, mais quand même. Voilà. Bah, du coup, je crois que je vais faire ça. Je vais débiter. Des endroits où la menthe elle a bien pris. Déjà ça, ce que j'ai coupé là, une petite branche, je vais rajouter ça par-dessus le foin. Puis voilà. Et puis ça serait bien qu'après ça, une fois que je serai un peu mieux connecté, connecté ça veut dire bon, mon cerveau lui est en sieste, mes muscles non, mais mon cerveau lui est en sieste. Donc bon, je commence avec ça, c'est tranquille. Mais après, je mettrai bien un coup de rotofile quand même, un peu par là-bas. Puis voilà quoi. Puis après, il sera l'heure d'aller au lac.